Alors pour réaliser ces tricots, on va avoir besoin des aiguilles numéro 4, des aiguilles numéro 2 et demi, de la laine bleue et du rose. Donc on va prendre deux pelotes qui nous fait 4 pelotes pour réaliser. Alors pour commencer avec des aiguilles numéro 2 et demi, on va monter 66 mailles en blanc. Comment ce soit 6 mailles au point de mousse, ce soit 6 mailles, excusez-moi. On va monter 12 rangées du point de côte. Donc une maille à l'envers. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit jusqu'à la fin de la rangée et on va reprendre prenant les mailles comme elles se présentent. À 12 rangées donc du point des côtes. On change les aiguilles, on prend les aiguilles numéro 4 et en même temps on va commencer avec le point ajouré. Alors pour faire ce point ajouré, on va laisser faire donc. On fait une maille lisière, fait 3 mailles à l'endroit, on glisse une maille, fait 3 mailles à l'endroit, je glisse une maille, 3 mailles à l'endroit, je glisse une maille. 3 mailles à l'endroit, 10, une maille. On répète la même chose jusqu'à la fin. On va terminer par 3 mailles. 3 mailles. On glisse une maille et une maille à l'endroit. La deuxième rangée, on fait donc une maille lisière, on glisse une maille glissée à l'envers et 3 mailles à l'envers. Je glisse une maille. Fait 3 mailles à l'envers. On glisse une maille, 3 mailles à l'envers. On répète donc la séquence. 3 mailles à l'endroit et on va finir par une maille glissée à l'endroit. Et une, deux, trois mailles à l'endroit, juste la maille lisière. La deuxième rangée.
Troisième rangée du point, on repart sur une maille lisière, trois mailles à l'endroit, on glisse maille, trois mailles à l'endroit, glisse une maille, on va répéter la même chose. Et on termine par 3 mailles à l'endroit, mailles glissées et la maille lisière. Alors, pour la quatrième rangée, on va faire toutes les mailles, on va les tricoter à l'endroit. Toutes les rangées à l'endroit. Alors, on laisse le bleu. Cinquième rangée, on fait une maille à l'endroit. La maille lisière. Compte pas, fait une maille à l'endroit, on glisse une maille, on fait une, deux, la séquence est terminée par deux mailles à l'endroit, on reprend une maille à l'endroit, on glisse deux mailles à l'endroit, trois mailles à l'endroit, on glisse et on répète jusqu'à trois mailles à l'endroit, on décale une maille, on décale une maille et la rangée se termine par deux mailles à l'endroit et la maille lisière. C'est la cinquième rangée. La sixième rangée, on va faire la maille lisière, deux mailles par l'envers, on glisse la maille, on tricote trois mailles à l'envers, on glisse la maille en bleu, fait trois mailles à l'envers et jusqu'à la fin. On termine donc la sixième rangée par une maille. Septième rangée, on fait une maille lisière. Une maille à l'endroit, on glisse la maille, on fait. Alors, on prend les mailles comme elles se présentent cette fois-ci. On répète un peu la même chose jusqu'à la fin de la rangée et la rangée va se terminer. On glisse une maille, deux mailles à l'endroit et la maille lisière. La huitième rangée, on va prendre toutes les mailles à l'endroit.
Huitième rangée. On va reprendre avec le bleu. Et on va monter la première rangée, la deuxième et la troisième, la quatrième. On va reprendre avec le blanc et ainsi de suite. Donc on va faire, on va reprendre la première rangée, 3 mailles à l'endroit. Glisser une maille. Première maille glissée. Et ainsi de suite. Donc on reprend la première rangée. Et puis on va faire en blanc et bleu.